Anselme jette Céleste sur le matelas. Chaque fois le même geste, qui la balance sur le ventre, la tête plongée dans l'oreiller, la tignasse à portée de main. Il relève la jupe vite fait. Elle ne résiste pas, ne résiste plus. Il s'agrippe au chignon, serre fort la masse de cheveux, puis il s'installe, planté entre ses cuisses et commence. Les pieds du lit de fer grincent. Ni Anselme, ni Céleste n'entendent la plainte du lit qui supporte l'amour forcé. C'est laborieux, c'est long. Elle se demande pourquoi ces instants-là passent si lentement, pourquoi ne pas s'évanouir pour ne rien ressentir. Une fois, elle a tenté d'en parler à Huguette dans l'escalier de service. Toute tremblante, elle a bredouillé. C'est monsieur de Boisvaillant. Ses genoux ont commencé à claquer. Huguette a tout de suite compris. Elle lui a dit de se taire, répétant plusieurs fois « Tais-toi et ne t'avise pas d'en parler à madame. » Elle a regardé en silence les genoux qui s'entrechoquaient, puis elle lui a tourné le dos en ajoutant « Garde la tête haute. C'est tout ce que nous pouvons faire, nous autres, garder la tête haute pour faire croire qu'on n'a pas honte. » Céleste a relevé la tête, serré les dents, raidit ses jambes pour que ses genoux arrêtent de claquer si bêtement. Elle a réussi à articuler « Bien, Huguette. » Le ton de sa voix est posé, presque calme. Elle réalise soudain que la solitude dans laquelle elle est née l'oblige à toujours acquiescer. Si elle avait eu le choix. Mais ce mot n'existe ni dans sa condition, ni dans son vocabulaire, elle aurait dit non. Elle l'aurait même hurlé. Quand Anselme s'acharne à aller venir en elle, Céleste pense à autre chose. C'est devenu simple à force, avec une prédilection pour la clairière. Le temps qu'il fasse sa besogne, elle se balade dans la forêt où elle allait jouer enfant avec ses frères et sœurs. La fratrie est si nombreuse qu'elle ne sait pas combien ils sont exactement. Elle ne les a jamais comptés. Elle est une parmi eux. Ces balades-là, elle ne les oublie pas. Ce sont ses souvenirs les plus précieux. L'insouciance de courir, de respirer l'humus et la résine des pins, de jouer à se cacher, de savourer ces moments avant de rentrer à la ferme sombre où tout à coup on se voûte. On se plie jusqu'à en disparaître pour échapper aux cris du père. Anselme serre un peu plus fort la masse de cheveux, prend plaisir à se faire mal avec les épingles, les sentir s'enfoncer dans sa paume, en jouir presque, faire durer ce presque le plus longtemps possible. Tirer vers lui le chignon pour qu'elle s'arc-boute. À cet instant, Céleste n'existe plus, elle est juste un corps. Et il aimerait que ce corps crie, participe un peu. Mais rien que du silence. Quand il va jouir, il tire un peu plus fort sur le chignon qui se défait dans ses mains. Il confond alors cheveux et crinière, se croyant maître d'une chevauchée sans fin. Il s'effondre de tout son poids sur sa monture. Céleste ne sent pas les bulbes de ses cheveux s'arracher un à un. Elle est assise dans la clairière de la forêt, son endroit préféré. Il n'y a rien à y faire. Juste attendre que le temps passe, et c'est ce qu'elle fait. Sa promenade enchantée s'arrête brutalement quand son corps à lui s'écroule sur le sien. « Comme il est lourd !» s'étonne-t-elle chaque fois. « Lourd et sans force, lourd et vidé. » Alors, elle revient à la réalité de son oreiller qu'elle mord à s'en étouffer, au grincement du lit de fer qui ont cessé, à cette chambre minuscule sous les toits où elle a soit trop froid, soit trop chaud. Elle redresse la tête, la garde bien haute, comme il se doit. Anselme, déjà debout, rajuste ses habits. Elle ne le regarde pas, jamais. Elle attend qu'il claque la porte. Victoire se réveille doucement. Le matin, lorsque son corps, encore engourdi par le sommeil, s'étire sous les draps de fil,
Elle cherche sous son oreiller la petite poche de soie qui enferme délicatement la lavande récoltée l'année précédente. Victoire aime que chaque nouvelle journée débute par une longue inspiration de ce parfum apaisant. À la lumière qui traverse les volets et les lourds rideaux de taffetas, elle devine qu'il doit être 9 heures. Huguette ne devrait pas tarder à lui servir son petit déjeuner. Elle ferme les yeux et se délecte encore un peu de ce moment qui précède l'agitation du jour. Elle porte la pochette parfumée à ses narines, la respire plusieurs fois, puis la replace prestement sous l'oreiller quand elle entend les pas d'Huguette résonner dans le couloir. Quelques instants plus tard, après les salutations habituelles, le plateau est déposé sur son lit, le thé est fumant, les tranches de pain grillées. Quand Victoire s'est mariée, Huguette était déjà au service d'Anselme depuis des années, depuis toujours, puisqu'elle s'occupait de lui lorsqu'il était enfant et qu'ils vivaient tous dans la grande maison familiale. Elle l'avait suivi en ville lors de ses premières noces. Elle avait mis du temps à s'habituer au bruit, à l'étroitesse des rues de Saint-Féru-sur-Cher. Mais comme Anselme leur avait proposé à elle et à Pierre de s'installer dans la maison du jardin, elle avait accepté. Comment aurait-elle pu le lui refuser ? Victoire était entrée dans une maison parfaitement tenue. Au début, elle avait eu du mal à dormir dans le lit conjugal en sachant qu'une autre s'y était allongée, y était même morte, mais cette autre-là n'avait pas laissé d'enfant et Anselme avait tôt fait de la remplacer. Huguette avait vite compris que Victoire la laisserait tenir les rênes du logis. Elle l'avait donc accueillie à bras ouverts et malgré le léger dédain qui pointait dans ses propos, elle s'adressait à la nouvelle Madame de Boisvaillant avec bienveillance. Chacun restait ainsi à sa place, jouant son rôle à la perfection. Un matin, Céleste touche son ventre. Elle ne peut plus éviter cette vérité qui grandit. Sainte Marie, Mère du monde, protégez-nous, protégez-moi. Alors qu'elle n'y avait jamais pensé auparavant, elle est obnubilée par son corps, ce corps qui lui a joué un mauvais tour sans qu'elle s'en aperçoive. Elle s'accroupit dans sa chambre, touche son ventre encore et encore, ferme les yeux. Elle voudrait être dans sa clairière, y creuser un trou et déposer le petit bout de vie délicatement, le recouvrir de terre pour qu'il soit au chaud. C'est là qu'il serait le mieux. Elle se coucherait ensuite sur le monticule et ils dormiraient longtemps là, tous les deux, pour toujours. Elle pressent les conséquences désastreuses de sa grossesse. Des bribes d'histoires de bonnes enceintes et congédiées lui reviennent en mémoire. Elle s'effondre sur le plancher de sa chambre. Elle n'a jamais pleuré de la sorte. Elle s'engouffre dans un chagrin infini. Sa robe, son tablier cachent encore la vérité qui grossit, mais pour combien de temps ? Huguette doit s'impatienter dans la cuisine, il faut descendre, mais elle n'y arrive pas. Elle pleure, pleure toujours. Elle a envie de courir vers sa mère, de se blottir contre elle, de lui demander « Comment as-tu fait ?» Elle se met à genoux, prie de toutes ses forces, envoie vers la Vierge tous les mots qui lui viennent et d'autres plus fous encore. Finalement, Céleste se lève, ajuste sa tenue et descend dans la cuisine. Huguette est déjà là. Alors qu'elle s'apprête à la réprimander pour son retard, elle scrute le visage défait de Céleste. « Qu'est-ce qu'il y a ?» Huguette la dévisage sans comprendre. « Tu es malade ?» Céleste ne répond rien, elle hésite. Et si elle lui disait ? Huguette trouve toujours des solutions, elle doit savoir quoi faire dans un cas comme ça. Mais Huguette n'a pas eu d'enfant. Peut-être qu'elle aussi ne sait pas. « Oui, je crois que je suis malade, je ne me sens pas bien. Tu es sûre qu'il ne s'agit pas d'autre chose ?» Qu'entend-elle par autre chose ? Céleste soudain s'affole, elle trouvera une solution toute seule. Ne pas prendre le risque de perdre son travail, sa maison. Ne pas prendre le risque d'être humiliée, d'être renvoyée là-bas, à la ferme. Surtout pas. Je crois que j'ai attrapé froid et puis j'ai très mal dormi. Céleste sourit et poursuit. « Dites-moi ce que je dois faire. » Céleste, ce jour-là, travaille sans relâche. Le ménage, l'argenterie, tout y passe. Elle fait cela dans un état second, tandis que son esprit cherche une solution. Sainte Marie, Mère du monde, aidez-moi. Elle va trouver.
C'est en astiquant la 12e petite cuillère, la dernière, que l'idée lui vient. Une idée de génie, pense-t-elle. La solution était là, sous ses yeux, plutôt à l'étage. Elle l'a vue dans la chambre de madame, le corset. Elle n'a pas oublié comme la taille s'affinait. Il lui suffira de serrer de plus en plus fort. Madame doit en avoir plusieurs. Elle ira voir dans la garde-robe. Céleste jubile, cacher sa grossesse jusqu'au bout. Pour l'accouchement, elle verra chaque chose en son temps. Et la chance lui sourit. Huguette la prévient que madame sort faire des courses en ville. Céleste se retient de ne pas courir jusqu'à la chambre. Elle marche comme à son habitude sur la pointe des pieds, avec à la main son plumeau et ses chiffons. Quand elle referme la porte derrière elle, son cœur se met à battre très fort. Elle ouvre la garde-robe. Elle ne l'a jamais fait auparavant. C'est Huguette qui s'occupe des habits de madame. Il y a des boîtes, des chapeaux, des manteaux, des robes et derrière, les corsets. Ils sont là. Elle prend celui qui se trouve en dessous des autres. Victoire ne doit plus l'utiliser. Céleste tout à coup perd la raison. Elle veut l'essayer ici, maintenant. Elle se déshabille, prend le corset, enrage. Quand elle comprend qu'il se lasse dans le dos, ce sera compliqué tous les matins de le mettre, mais elle le fera, n'a pas le choix. Dans sa frénésie, elle n'entend pas la poignée de la porte qui tourne. Madame a oublié quelque chose et revient sur ses pas. En entrant, Victoire pousse un cri. Ce n'est pas parce que Céleste est nue dans sa chambre, entourée de boîtes et d'habits, mais parce qu'elle a vu le ventre et le corset. Les mois suivants passent sans heurts, chacun interprétant à la perfection ce ballet autour duquel ils se sont réunis, accordés. Huguette a propagé la nouvelle à Saint-Féreux que madame était enceinte, mais de constitution fragile, elle ne recevrait donc pas. Anselme se plut à accepter les félicitations d'usage avec modestie, et Céleste fut interdite de sortir. Dans le ventre, l'enfant grandit vite. Depuis que Céleste a compris qu'elle était enceinte, ses entrailles font une place pour ce petit être à naître. Les contractions commencent un soir, alors qu'elle essuie des assiettes. Cette première douleur la prend au dépourvu. Elle manque de lâcher la précieuse vaisselle. Ça y est, il arrive. Mais n'en parle à personne. Chacun vaque à ses occupations et peu après, tous partent se coucher, Céleste aussi. Allongée sur son lit, elle fixe la petite flamme de la lampe qui tremble dans l'obscurité de sa chambre. Personne n'a surveillé sa grossesse. Victoire lui a simplement dit « Prévenez-moi le moment venu. » Mais comment savoir si le moment est vraiment venu ? Elle se souvient des accouchements de sa mère, des contractions qui la courbaient en deux, de son souffle court. Puis des rideaux tirés par la sage-femme, des rideaux qui n'étouffaient pas les cris, qui ne faisaient qu'enfler le mystère. Et après, le petit glapissement frais et neuf, parfois vaillant, parfois timide. Un nouveau-né parmi eux. Céleste attend d'être sûre. Son corps s'endort, la plonge par intermittence dans un état d'apesanteur, la soulageant quelques instants des efforts à venir. Elle passe ainsi la nuit, entre contractions et relâchement. Au petit matin, la douleur prend une intensité nouvelle, si forte que tout son corps semble pris dans un étau. Les yeux écarquillés, Céleste s'assoit sur le lit. Lorsque les contractions s'estompent, elle parvient à se lever. Le moment est venu. Elle descend tant bien que mal l'escalier en colimaçon. Arrivée en bas, elle se cramponne à la rampe. L'onde qui la traverse ne lui laisse aucun doute. Elle entend du bruit dans la cuisine. Elle appelle Huguette. Pas de réponse. L'onde passe. Elle pense pouvoir avancer, mais l'onde la transperce encore. Elle appelle de nouveau et soudain, elle hurle « Huguette !» Un silence de marbre fiche brièvement la maison. Puis voilà Huguette qui accourt, des pas aussi dans le couloir du haut. Victoire arrive en chemise de nuit, les cheveux défaits, le regard hagard et le même cri qui leur perce les tympans. « Huguette ! Je suis là, ma petite !» Les jambes de Céleste tremblent. « Allez chercher la sage-femme !» ordonne Victoire. Huguette s'agite en tous sens en grommelant des « mon Dieu, à n'en plus finir ». Céleste,
toujours cramponnée, arrive à articuler « La sage-femme, maintenant ». Huguette se ressaisit, part pour revenir avec la sage-femme peu de temps après. Victoire a aidé Céleste à remonter dans sa chambre. Elles se sont arrêtées à chaque marche, reprenant leur souffle. Céleste, dans un état second, a commencé à prier. Sainte Marie, Mère du monde, aidez-moi, protégez-le. Sainte Marie, Mère du monde, ayez pitié, ne m'abandonnez pas. Quand la sage-femme entre, Victoire lui dit qu'elle voudra voir l'enfant juste après la naissance, qu'elle l'attendra dans sa chambre. Reste Huguette, la sage-femme et Céleste. On l'aide à se déshabiller. Les contractions sont ininterrompues, la naissance est imminente. Quand soudain, en sueur et les yeux exorbités, Céleste s'écrie « Sortez, sortez toutes les deux !» La détermination de Céleste est extraordinaire, elles l'ont compris. La sage-femme lui dit calmement qu'elle sera derrière la porte, qu'elle se tiendra prête au moindre appel. Céleste s'apprête à regarder au plus profond de son être. Elle plonge dans l'abîme de son corps pour y puiser une force sauvage qui est là depuis toujours, qui attendait l'instant, et l'instant est maintenant. Céleste pousse de toutes ses forces la vie hors d'elle. Point de rideau, point d'enfant curieux. Un silence qui se fraye dans son âme. Le silence qui précède la vie. Le même, exactement le même que celui qui précède la mort. Celui de l'être, de la pleine conscience. Céleste, accompagnée de sa force insoupçonnée et du silence originel, donne la vie. Et le cri qui la déchire n'est pas le sien, mais celui de son enfant à peine né. Céleste attend la nuit. Huguette lui a dit que le couffin, quand il n'était pas sous le piano, était dans la chambre de madame. Elle ira quand ils dormiront, elle n'a pas peur. Elle n'a plus le choix. Elle reprend le travail sans état d'âme, abattant les tâches les unes après les autres. L'accouchement, la séparation de l'enfant, le repos absolu dans lequel elle s'est ensuite engouffrée, ont accompli un bouleversement extraordinaire dont elle commence à se rendre compte. Céleste, plongée dans une multitude d'émotions inconnues jusque-là, réalise qu'elle a un corps. Cette découverte est purement sensorielle, aucune idée, aucun concept, juste une certitude. Ce corps est là. Il embrasse la vie, la donne, l'insuffle. Il est d'une puissance vertigineuse. Ce corps toujours nié, uniquement utilisé pour les corvées de la vie courante, souvent celle des autres, prend une dimension nouvelle. Céleste, maintenant, peut. Son éducation, sa condition feront qu'elle n'ira pas jusqu'à vouloir, mais cette force prodigieuse repousse d'infranchissables limites, comme celle d'aller, sans trembler, chercher l'enfant dans la chambre de madame pour qu'il passe la nuit près d'elle. Cette journée-là, Victoire est volubile. Heureuse qu'Adrien soit enfin raisonnable, elle joue du piano, passe d'un endroit à l'autre en sautillant. Sa voix tendue, trop haut perchée depuis l'arrivée de l'enfant, ne cesse d'interpeller Huguette. Elle veut reprendre des cours. Elle n'a jamais réalisé combien elle était douée. Oui, reprendre des cours afin de s'éblouir soi-même et les autres, de s'enivrer de notes. Ils seront tous si fiers d'elle. Elle pourrait aussi faire salon un après-midi par semaine et convier des amis musiciens à déchiffrer de la musique de chambre. Mon Dieu, quel bonheur, un trio de Schubert! Pourquoi n'y a-t-elle pas pensé avant? Elle choisirait le jeudi, comme le faisait sa mère, et la demeure deviendrait le haut lieu de la culture de Saint-Féreux. Adrien, en grandissant, serait émerveillé par ce beau monde. Elle retrouve Anselme le midi et lui en parle. Il s'enthousiasme aussi, toujours heureux de voir sa femme contente, qu'elle sorte un peu de cet état qui navigue entre mélancolie et hystérie. Il a lu dernièrement un article décrivant l'hystérie féminine. Il a eu peur. Il a cru lire le portrait de Victoire. Les femmes vivent dans un monde si étrange, si peu compréhensible, toujours changeant. Il se perd à tenter de la suivre, mais quand elle est gaie, il ne manque jamais de la soutenir. « Oui, ma chérie, ton idée est excellente, fais ce qu'il te plaît. » Sous-entendu, trouve ta joie comme tu le souhaites, tant que tu restes dans la bienséance exigée par notre milieu.
Inconsciemment, Anselme sent chez sa femme un caractère volcanique. Une explosion possible qui pourrait les livrer au scandale. Mais elle s'est toujours comportée de manière exemplaire. Il a simplement ce sentiment sous-jacent qu'il tente de dompter en la réconfortant sans cesse. Cette hystérie sera parfaitement matée par la maternité, se dit-il. Car tout est là. Une femme et son enfant, l'épanouissement et l'accomplissement, un vide comblé. Jusqu'au soir, immobile dans son couffin, Adrien n'a pas ouvert l'œil. Huguette insiste auprès de madame pour le nourrir, mais Victoire ne veut rien entendre. « Laissez-le tranquille », a-t-elle dit en allant se coucher. La maison est calme. La nuit se pose sur chacun d'eux. Il n'y a que Céleste qui veille. Elle attend que la lune soit bien haute, alors elle descendra. Elle ne pense à rien d'autre qu'aux minutes qui passent. Elle est patiente, déterminée. Le moment venu, lorsque la lune vient toucher le haut de l'arbre, elle ouvre sa porte tout doucement, marche sur la pointe des pieds, descend les escaliers. Les tapis du couloir amortissent ses pas. Elle tourne lentement la poignée de la chambre de madame. Aucun bruit à l'intérieur, à part la respiration lente et profonde de Victoire. Céleste s'approche du couffin. Adrien ne bouge pas, mais dans l'obscurité ouvre grand ses yeux. Sa chair est prise d'espoir. Céleste referme la porte derrière eux. La respiration de Victoire ne s'est pas altérée. Elle monte prestement dans sa chambre. Aussitôt arrivée, elle éteint la flamme de sa lampe et se déshabille. Céleste a posé délicatement Adrien sur son lit, les yeux écarquillés. L'enfant attend. Quand elle est entièrement nue, elle défait ses langes. Et lorsqu'il est tel qu'au premier jour, elle se couche et colle son petit corps contre les siens. Ils se reconnaissent immédiatement. Les bras d'Adrien s'agitent, tout son derme s'accroche à elle et de ce plaisir immense, inespéré, jaillit un allaitement doux. Un souffle nouveau qui sort de l'enfant de son engourdissement, peau contre peau, il se retrouve. Victoire se réveille. La chambre est différente. Quelque chose dans son sommeil l'a alertée. Elle allume. Le couffin a disparu. Elle se lève. Où est-il ? Ses pas l'amènent directement à la chambre de Céleste. Et quant à la lumière vacillante de sa lampe, elle découvre Céleste et Adrien enlacés sans hésitation. Elle se déshabille aussi. Car sa place est près d'eux. Sur ce petit lit de fer où Céleste l'accueille. Et leurs trois peaux ne font qu'une. Les uns contre les autres, s'aimer. Celles qui vont au bois, c'est la mère et la fille. La mère va chantant et la fille soupire. Qu'avez-vous à soupirer, ma fille Marguerite? J'ai grande colère en moi et n'ose vous le dire. Je suis fille le jour et la nuit blanche biche. Je suis fille le jour et la nuit. Blanche biche.
qu'à manger. Suis la première assise, ma tête est dans le plat et mon cœur aux chevilles. Mon sang est répandu par toute la cuisine. Lorsque Victoire s'assied à son piano ce jour-là, elle se demande « Céleste, où trouves-tu cette force qui nous fait vivre Adrien et moi? Quelle sorte de femme es-tu pour donner tout et plus encore ?» Victoire progresse. Elle n'a pas pris de cours, mais son obstination assidue et ses heures à s'exercer font qu'elle a osé sortir de sa bibliothèque la partition des sonates de Beethoven. Son professeur la lui montrait jadis. Il la pointait du doigt en lui disant d'un œil sévère « Le Graal, ma petite, le Graal. » Et finalement, elle l'a trouvé son Graal. Ni sur les touches noires, ni sur les touches blanches, mais en haut, sur le petit lit de fer, entre les bras de Céleste, son Graal à elle. Elle a pris fermement la partition, elle l'a ouverte il y a quelques jours de cela. Elle a dû forcer un peu les pages pour pouvoir la poser bien à plat sur le pupitre et elle a regardé les notes longtemps, très longtemps, sans poser un seul doigt sur les touches. 3 jours durant, elle s'est assise sur le tabouret à déchiffrer, à laisser ses mains courir sur ses cuisses, à sentir les doigts bouger dans son esprit, laisser la musique l'envahir. Passer des heures à regarder le premier mouvement, se dire qu'il est l'hommage absolu à ce qu'elle ressent. Son professeur, dans une intuition sidérante, le lui disait déjà lorsqu'elle était adolescente. Victoire ne touche pas son piano, mais elle vibre au son de la sonate écrite pour elle deux, celle au clair de lune. Alors oui, le Graal est là, à portée de main. Cette sonate, ce mouvement, elle va le jouer aujourd'hui, maintenant, caresser les touches et se lancer dans le flot incessant, soutenu, inépuisable de triolets. Ce morceau écrit pour elle, une délicatesse infinie, sans sourdine, plus exactement pour eux trois. Les trois croches du triolet sont liées ensemble, chacune découlant de l'autre, Victoire, Céleste et Adrien. Adrien sans qui Céleste et Victoire ne se seraient pas aimés. Adrien qui, durant toutes les heures où elle a pianoté sur ses cuisses le premier mouvement, s'est tu, concentré autant qu'elle. L'observant depuis son panier d'osier posé sur le tapis persan, il la voit bouger sur son tabouret au rythme de sa musique intérieure et aujourd'hui, il la voit qui lève les bras. Elle est prête à jouer chaque note, une à une apprise les jours précédents, une à une ressentie. Elles sont là, tout au bout de ses doigts, au clair de cette lune qui les illuminera ce soir encore, tous les trois triolets d'une histoire miraculeuse. Huguette, saisie par la beauté de cette musique, reste sur le pas de la porte avec son plateau. Elle écoute et surtout elle remarque la gravité du visage de Victoire, complètement absorbée par la délicatesse avec laquelle les notes sortent de ses mains, posée doucement la pulpe de ses doigts sur la touche, appuyée juste ce qu'il faut pour en avoir l'âme blessée, juste assez pour en plein jour et à l'intérieur de soi, ouvrir la porte de la chambre de Céleste, assez pour écouter le piano égrener leur histoire, les devancer, assez pour s'émouvoir d'avoir une âme si sensible, une âme qu'elle découvre à peine. Se laisser porter par le flot des triolets, ces notes enfermées dans une partition depuis de si longues années et qui aujourd'hui la révèlent profondément. Huguette observe les gestes détendus des bras, leurs appuis.
Le pied qui enfonce la pédale et la musique si belle qui s'élève. Cette musique qui jusque-là protégeait Victoire l'amène vers Céleste quand l'heure est aux retrouvailles. Les notes jaillissent jusqu'au silence final. Les mains de Victoire se figent dans l'air, puis dans un élan nouveau, elle se lève. Prend Adrien dans ses bras et d'un geste lent le serre contre elle. Mais laisse-toi faire, s'il te plaît. Et Céleste se laisse faire, elle enfile la robe. Victoire applaudit en la voyant. Je suis si heureuse, j'en étais sûre. Je vais te coiffer maintenant. Assieds-toi sur ce tabouret. Céleste soupire et s'assoit. Victoire coiffe délicatement sa longue chevelure et s'extasie. Tu sais que je ne t'ai jamais vu les cheveux détachés, ils sont interminables. Les mèches blonds cendrées dévalent le dos de Céleste et restent en suspens à sa taille. Victoire les ramasse en un chignon souple, bas sur la nuque. Elle maquille ensuite légèrement le visage de Céleste, de la poudre, du rouge sur les joues et les lèvres. Elle la part ensuite d'un collier, de boucles d'oreilles, puis elle admire son œuvre en s'exclamant « Tu es parfaite, parfaite, regarde-toi dans le miroir !» Céleste se lève et contemple son reflet dans la glace qui surplombe la cheminée. Elle reste d'abord sans voix, tant elle a l'impression d'être déguisée. Et soudain, elle éclate de rire. « Bravo, Victoire !» dit-elle en tournant sur elle-même. « Je suis une femme maintenant, comme toi !» La gêne qui assaillait Céleste jusque-là disparaît sous la robe et le rouge. Son nouveau costume lui donne une aisance qu'elle ne connaissait pas, éphémère, elle le sait, mais véritable pour quelques heures. Quand Victoire est prête à son tour, une calèche les emmène chez Maxime, le lieu parisien où il faut être vu. En lisant ses revues de mode, Victoire a remarqué que l'on parlait beaucoup de ce restaurant et de celles qui s'y rendent. Peut-être les croiseront-elles ce soir. La calèche s'arrête aux 3 rues Royales. L'enseigne resplendit. Elles y sont. Les deux femmes s'installent au bar. Victoire a dit d'un air dégagé au maître d'hôtel qu'elle voulait d'abord boire un verre. Elles prennent place sur les hauts tabourets. Il y a là un petit attroupement féminin dont on ne distingue que les robes brodées, tant les chapeaux, voilettes, ornements capillaires cachent leur visage. Ces femmes possèdent tous les attributs pour se sentir à l'aise dans un tel lieu. En les regardant, Victoire a soudain une révélation. « Mais oui, se dit-elle, ce sont elles ces demi-mondaines, ou plutôt ces cocottes. » Victoire commande 2 coupes de pommes rissoles. Céleste n'a jamais bu de champagne. « Mais ça pique !» s'exclame-t-elle, tout en picorant les pommes frites qui se trouvent dans des corbeilles sur le bar. « Tu vois, Céleste, c'est la vie que nous pourrions avoir. Tu ne crois pas que là, discrètement, nous pourrions nous aimer sans que personne s'en aperçoive ?» Céleste, dont l'humeur est devenue badine, boit une gorgée, ravale ses peurs et s'approche de Victoire pour l'embrasser dans le cou. « Mais tu as perdu la tête ou quoi ?»« C'est pour voir si quelqu'un s'en aperçoit. » Les conversations continuent. Les deux femmes font à la fois partie de ce monde festif et coloré, tout en se sentant provinciales à l'écart. Tu vois, personne n'a rien vu. Et Céleste, dans un élan passionné, embrasse Victoire à pleine bouche. Un baiser long, profond, hors du temps, qui les mène à l'orée d'elle-même, là où l'éternité attend leurs plus beaux souvenirs. Quand elle rouvre les yeux, personne ne s'est retourné vers elle pour les juger. Dans la lumière feutrée de chez Maxim's, les amours se font et se défont dans l'indifférence la plus totale. Céleste et Victoire en ont franchi le seuil, passant de l'extérieur bien pensant à un intérieur où la volupté dévoile la promesse d'une vie, où l'on pourrait s'aimer sans contrainte. Suis-je la fougère ou sur la fin d'un beau jour se repose ma bergère sous la garde de l'amour? Que
suis-je l'onde pure qui te reçoit dans son sang? Que ne suis-je la parure qui te couvre après le bain? Que ne suis-je cette glace où ton miroir répété offre à nos yeux une grâce qui sourit à la beauté? À la vérité, les dieux qui